J'ai reçu cette machine qui est une S30 en 22 watts. Donc c'est une Sculpfun S30 en 22 watts. Et on voit que la boîte est quand même assez conséquente, assez grande, hein, vous voyez, donc je mets la main pour vous donner l'échelle. On a quand même une boîte qui est relativement longue. Donc on va ouvrir et déballer tout ça. Voilà, on voit que la boîte a pris un petit coup pendant le transport ici, mais comme il y a une grosse couche de mousse à l'intérieur, ça ne pose pas de problème particulier. Donc je vais commencer par l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Là, on voit un peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, on va commencer par trouver une plaque en aluminium qui va servir de protection quand on va imprimer sur le fond de. Bah, sur une table, par exemple, ça va servir de protection. Et on a ici un échantillon de contreplaqué. Deuxième chose, bah, c'est la documentation. Donc, la documentation. C'est comment monter en fait cette machine. Donc en anglais, en allemand, en français. C'est ce qui va servir pour monter la machine. Alors ici, on a donc ici on a le chariot porte-laser avec ici les roues qui vont entraîner le chariot. Alors je peux vous dire que c'est un chariot de grande largeur là, hein. Je vais le mesurer, mais on est sur de la grande largeur. Voilà, on est sur du 70 cm, hein. On a 70 cm de débattement. C'est un gros modèle, hein. Ça ne tiendra pas dans mon caisson. Donc voilà pour la partie chariot ici. Et c'est là-dessus qu'on va monter le laser. Alors ensuite, on a la carte mère qui est dans cette boîte. On va trouver un port USB, l'alimentation, l'arrêt marche et ici un verrou. Et puis l'antenne Wi-Fi. Et ici un verrou qui va permettre de faire un arrêt d'urgence. Le laser, il est bruyant et imposant. Et donc là, on a un laser 22 watts. Et puis, on a le système ici de Air Assist qui est déjà prévu. Voilà. Donc, c'est un 450 nanomètres, donc laser diode bleue, en 22 watts. Qu'est-ce qu'on va trouver à cet étage? On va trouver les pieds. On a les pieds de la machine ici. On va trouver le cache de protection. Ici, donc c'est de l'oranger en fait, qui va venir se mettre devant le laser. Bon, déjà avec 5 watts ou 10 watts, il faut faire attention. Alors bien entendu, avec 20 watts, il va falloir être encore plus précautionneux. Ensuite, donc là je vais le pencher un peu pour que vous voyez encore mieux. On trouve ici le compresseur de l'air assist. Donc là, on a carrément le compresseur qui est livré. Donc il ne reste plus qu'à brancher. La prise 220. Et ici, l'alimentation. C'est une alimentation 24 volts, 7 ampères. On va trouver comme d'habitude les prises USB. Ici, on va voir le tuyau de l'air assist. Alors, c'est du gros tuyau là. On est sur du tuyau plus important que ceux que j'ai vus jusqu'à présent. On a toutes les vis, toute la visserie, les courroies. Je pense que ça prévoit du montage. Les lunettes de protection. Ça, c'est classique aussi, les lunettes de protection. On a une boîte ici qui contient la pige, des brossettes de nettoyage
et puis les clés de montage, et puis la clé ici du système de verrouillage. Les fins de course qui sont livrées à monter donc. C'est des switches classiques avec un petit circuit imprimé et puis un connecteur. Donc on a un kit de réparation. Alors je suppose que comme d'habitude, il y a une lentille dedans. Voilà. On regardera ça tout à l'heure. Il y a une lentille. Et puis de l'outillage, joint, etc. Une petite pince. Des velcro, des petits colliers, ça c'est pour fixer les câbles. Et enfin, ici, on va avoir les longerons, les côtés du châssis. Donc c'est de l'aluminium extrudé, c'est du 20 par 20. Ils sont marqués droite, gauche, avant, arrière, et puis ils sont gradués pour ceux qui ont besoin d'être gradués. Et ils sont gradués jusqu'à 650. Donc on est sur une machine là qui fait quand même une taille conséquente. Voilà, je vais mettre tout ça à plat pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on a déballé tout le matériel. Pour commencer, on va avoir besoin de la tige du profilet arrière qui est marqué back. On va avoir besoin de deux pieds qu'on va monter de chaque côté du profilet. Et on va avoir besoin de ce sac de vis pour le step 1, premier pas. Et donc, la notice nous décrit comment monter. Donc, je vous le montre pour la première fois. Puis après, on vous laissera faire tranquille en regardant la notice de votre côté. Voilà. Donc, les vis sont indiquées ici. Et vous avez l'endroit où il faut les monter. Donc je vais faire tout ça tranquillement. Et puis je vous rejoins dans un petit moment. La vis de 30, la plus longue, va venir ici se prendre sur le profilet du fond. La vis de 5, la plus courte, à l'arrière. Et une vis de 18 sur le côté. On va avoir un ensemble de 4 vis là qui vont bloquer les profilets. Et donner une forme bien à angle droit au coin de notre châssis. Voilà, donc là je serre pas trop pour l'instant parce qu'il va falloir ajuster après en fonction des différents angles. Donc voilà pour le premier, on va faire pareil pour les autres. Alors je suis en train de monter le coin arrière droit. Le châssis est maintenant donc à moitié assemblé. On va pouvoir glisser dessus le chariot porte-laser. Voilà le chariot porte-laser. Alors, il faut remarquer ici qu'on a un rail linéaire pour le déplacement du laser. Donc, on a quelque chose quand même de plus technique que les systèmes avec les roues sur un profilet. Donc, le déplacement du laser en X ici est vraiment assuré par un matériel de qualité. Donc, c'est ça qu'on va mettre en place maintenant. Et pour le mettre en place, on va mettre le chariot laser, donc le support de laser, vers l'avant, vers nous. Et puis on va glisser l'ensemble ici sur les rails, de façon à ce que les deux roues passent dessus, et puis la roue unique passe dessous. Donc voilà, je vais faire un zoom pour qu'on voit un peu mieux. Voilà comment on va
Voilà comment on va monter le chariot. Donc les deux côtés sont montés maintenant. On peut maintenant monter le quatrième et dernier élément du châssis, c'est le front, celui de devant. Donc on peut le sortir de son emballage. Cet élément est gradué jusqu'à 650. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté 0 qu'on va venir mettre ici sur le 0 du côté gauche. Donc voilà comment on va monter notre châssis. Et on va monter donc cette cornière pour finaliser ce coin. Alors, tout ça va se faire avec le sac de vis numéro 2. Et de l'autre côté ici, il n'y a pas d'équerre. En fait, l'équerre, elle est intégrée avec le support de carte. Et donc, c'est ici qu'on va venir fixer notre carte mère. Toujours de la même façon. Donc, la vis la plus longue qui passe à travers et qui vient serrer sur le profilé avant. Voilà, le montage est fait. Alors maintenant, ils nous disent de serrer les vis dans l'ordre 1, 3, 4, 5. Donc on va partir des vis latérales. 1, 3, 4, 5. Et on va tourner dans ce sens-là ici et dans ce sens-là ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Si vous n'avez pas serré les vis de la partie arrière, c'est maintenant que vous pouvez le faire également. Alors pour régler les excentriques, il faut que la roue qui est ici dessous, puisque les roues de dessus sont bien posées, il faut que la roue qui est dessous tourne à frottement gras. Là, elle tourne librement. Si je la tourne, ça tourne librement. Donc on va prendre la clé de 10 et on va aller régler l'excentrique qui est dessous pour que le frottement se fasse un frottement gras. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois en général. Là, ça commence à frotter. Elle commence à frotter un peu dur. Donc, je vais trouver un réglage pour qu'elle tourne. Mais juste. Voilà, là, ça tourne juste. Et quand j'entraîne le chariot, bah, je ne peux pas bloquer la roue. Enfin, c'est juste le bon frottement, en fait, hein. Et après, vous déplacez le chariot pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur. Là, ça roule vraiment nickel. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va pouvoir passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est la pose des courroies. Donc les courroies, on va les sortir de leur sachet déjà. Voilà nos deux courroies. L'idée, ça va être de les faire passer ici au-dessus de la poulie crantée et en dessous des roues caoutchoutées. Alors, on peut la faire passer par exemple dessous ici. Ça permet de la récupérer de l'autre côté. Vous la poussez jusqu'au bout. Et elle va ressortir ici, voilà, par cette extrémité. Ensuite, vous la faites passer au-dessus de la poulie crantée. Vous faites la même manip sous l'autre roue caoutchoutée. Voilà, donc la courroie la passe bien sous les poulies caoutchoutées et au-dessus de la poulie crantée.
Et on va faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Quand c'est fait, vous devez avoir les courroies bien montées de chaque côté, et puis elles dépassent de 2-3 cm de chaque côté également. Et on va passer à l'étape 4, qui est le montage, le blocage des courroies avec des vis et puis des écrous qui vont venir se prendre dans la rainure ici du profilé. On va préparer les vis en les mettant sur l'écrou et en les serrant juste un petit peu. Il ne faut pas traverser l'écrou, en fait, il faut juste qu'elles soient enclenchées, je dirais, que le pas de vis soit enclenché dessus, comme ça, donc sans dépasser de l'autre côté. Vous la mettez en place dans la rainure et vous tournez. Ce qui fait que votre écrou va tourner à 90 degrés, va se bloquer et vous allez bloquer la courroie comme ça. Donc il faut regarder aussi que la courroie ne soit pas trop torsadée. Hein, c'est le cas ici, ça va. Voilà. Donc vous allez bloquer comme ça les quatre côtés. Alors attention, il y a une astuce. C'est qu'il faut que cette barre ici, je vais vous la montrer. Il faut que la barre du support laser soit bien parallèle avec la face avant. Donc pour ça, moi ce que je fais, je le mets bien en avant. Donc par exemple celui-ci là, il est bien en appui et vous entendez peut-être, l'autre il y a un jeu de quelques millimètres. Donc je vais bien le maintenir parallèle quand je vais serrer la courroie pour pas qu'il y ait de décalage et qu'il n'y ait pas un petit angle entre cette barre et celle-ci. Et que la gravure laser se fasse bien à 90 degrés. Donc on peut bloquer toutes les courroies comme ça. Pour l'étape 5, on va monter le laser avec le sachet de vis numéro 5. Donc pour la tête laser, on va mettre en place la plaque de protection ici. Alors, il y a deux vis qui viennent se mettre de chaque côté, là, hein, des deux vis manuelles qu'on peut serrer manuellement. Donc il y a deux vis qui viennent se mettre en place de chaque côté. Il y a un tout petit peu de jeu, mais pas beaucoup, hein, il y a un jeu minime. Et ça va permettre d'observer en fait le laser sans danger à travers cette glace d'observation. La deuxième étape, c'est qu'on va mettre en place la tête laser qui est assez lourde. Ici, puisqu'on a une 20 watts, on va mettre 4 vis de serrage manuel à l'arrière, donc pour maintenir la tête laser sur le chariot, sachant que ces vis, elles ont une empreinte cipant ici qu'on va pouvoir serrer fortement, fermement, pour éviter que le laser bouge pendant la gravure. Donc on va le mettre en place, le régler, et puis avant de lancer la gravure, il faudra serrer les vis pour éviter que ça bouge. On va pouvoir monter maintenant les tuyaux et puis les câbles. On a un petit sachet qui contient des supports, du velcro. On va fixer les deux colliers, il y a deux trous là sur le rail X. Donc on va fixer les colliers dessus. Alors, il va falloir s'assurer que le tuyau qu'on vient de passer permette d'aller jusqu'à l'alimentation en air du laser, et ça, quelle que soit la position du laser, vous voyez, voilà, par exemple. Voilà, ça fait à peu près cette taille-là. Donc ici, je vais mettre un collier pour le maintenir.
On va s'assurer que le tuyau qu'on vient de passer accompagne bien notre laser sur toute la longueur du parcours. Et si c'est le cas, on va pouvoir le fixer. Bon, ça fait à peu près ça. Je vais pouvoir le fixer maintenant avec un collier ici sur le dessus du laser. Il faudra bien le bloquer ici pour pas que ça bouge. Voilà, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre collier ici qui va le bloquer également. Voilà, et donc là j'ai mon accompagnement d'air qui est bon. On va pouvoir maintenant brancher les câbles sur les différentes parties. Alors ils sont bien marqués. On a ici laser, X. Axe X, axe Y. Et puis ici, on a la pompe à air. Donc on va pouvoir brancher dessus. Alors le fil du laser, on va lui faire suivre le tuyau en fait. On va pouvoir brancher les moteurs Y et X. Donc c'est marqué sur le moteur et sur le câble Y et X. Et il y a un détrompeur, ce qui fait que vous ne pouvez pas brancher à l'envers. Donc on branche le Y, le X. Le laser, lui, il va suivre le tuyau. Le fin de course, c'est ça, avec le petit switch sur lequel notre chariot va venir appuyer. Et puis on va venir le fixer dans le trou qui est ici. Et la forme oblongue du trou va permettre de mettre le switch juste en face du chariot. C'est-à-dire que quand le chariot arrive, il doit appuyer sur le switch. Et c'est ce que va permettre de faire ce réglage. Voilà, donc là je règle pour que le switch soit juste en face du petit chariot. J'ai réglé pour que le switch soit en face. Et on entend le petit clic. Donc ça c'est pour le X. Et sur cette extrémité, on a trois trous. Alors le premier trou va être utilisé quand on va placer le fin de course pour le 11 watts. Et nous, comme la tête laser est plus grosse, il faut qu'on déplace le contact sur le troisième trou. Donc nous, on va le positionner ici sur le dernier trou pour tenir compte de la largeur de la tête laser. Alors c'est exactement le même module. Donc là, on va pouvoir le descendre pour que la roue vienne appuyer dessus. Voilà. C'est bon, je vais pouvoir le serrer. Alors, ça sera notre point zéro pour le Y. Et on peut voir ici que le laser ne touche pas la barre de devant. Donc c'est bon. Il nous restera brancher donc ici le connecteur Y sur ce capteur et le connecteur X sur celui-ci. Alors une bonne idée, c'est d'avoir prévu un support pour la pige de mesure. Donc le support, on va le préparer comme ça en mettant un écrou, une vis.
Et on va venir le positionner ici sur la barre en serrant. Voilà. On va faire pareil pour l'autre. Et on va régler le support. Voilà, ce qui fait que là, vous pouvez mettre votre pige et vous ne la perdrez plus. Au moins, on sait où elle est. Pour les pieds, on dispose de tampons en caoutchouc comme ceci, qui vont venir se glisser sous le pied et qui vont le bloquer, donc l'empêcher de déraper. Donc il y en a pour les quatre pieds. Donc vous les mettrez en place sur les quatre pieds. Voilà.